Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'information économique. Voici le taux du jour. Le taux de référence de la BRH pour la journée du 24 mai 2023 est de 140 gourdes à 90,19 points dollar. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 142 gourdes à 39,60 points dollar. À la clôture du marché le mardi 23 mai 2023, le baril de pétrole était à 72,91 $, soit une hausse de 1,2%. En Haïti, l'inflation a affiché un taux de 48,3% en mars 2023 par rapport à mars 2022, soit une variation de 0,1% en glissement annuel selon l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI. En rythme mensuel, le taux d'inflation en mars 2023 est de 1,7% contre 1,3% en février 2023. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies exige des actions urgentes du G7 en faveur de la sécurité alimentaire mondiale alors que de nouvelles crises au Soudan, en Haïti et au Sahel plongent de plus en plus de personnes dans la faim. Quelque 345 millions de personnes sont actuellement confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire. Il s'agit d'une augmentation de près de 200 millions depuis le début de l'année 2020. Parmi elles, 43 millions sont à deux doigts de la famine, s'inquiète le PAM. Selon une analyse publiée lundi par le ministère dominicain de l'économie sur les performances économiques et sociales de la République dominicaine, l'incidence de la pauvreté monétaire a davantage touché les femmes et est passée de 24,6% en 2020 à 25,8% en 2021 pour cette catégorie. En revanche, le taux de pauvreté monétaire des hommes a diminué de 0,2 points de pourcentage, passant de 22% en 2020 à 21,8% en 2021. Fin de la rubrique Profil Info. Merci de votre écoute. À demain. Profil Info, une courtoisie du groupe Profil.